Le retour du baroque et le renouveau du répertoire des castrats s'est fait ailleurs en Europe, notamment en France, il y a une trentaine d'années. Coucou. Nous retrouvons Philippe Jarouski. Il chante ce soir Salgavo, des cantates de Vivaldi. Il y a juste un truc, vous avez toujours l'impression que je ralentis. Tu sais quand je fais... Mais je suis sur pointe, mais faut pas trop ralentir, je pense. En ce qui concerne en tout cas les très grands castrats, effectivement les particularités sont la longueur de la tessiture. On se trouve confronté, nous en tant que chanteurs actuels, à des notes extrêmement graves, et puis ça peut être tout à coup un saut dans l'aigu. Donc ça c'est un premier élément technique qu'il faut travailler absolument. La virtuosité, la longueur de souffle, parce qu'évidemment la cage thoracique était plus grande et les cordes vocales étaient plus petites, donc ils avaient une longueur de souffle un tout petit peu plus grande. Donc effectivement les compositeurs s'amusaient avec les capacités de l'époque, donc écrivaient parfois des vocalistes qui n'en finissent pas. Interpréter aussi la musique pour castrat, c'est aussi parfois un peu tricher. Parfois on est obligé de respirer une fois de plus que l'on aurait fait un castrat, mais je pense que ça n'enlève pas forcément grand chose à la musique, à l'interprétation musicale qu'on peut y mettre. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire personnelle de chacun des grands castrats. Tout ce qui est autour, tout ce qui est sociologique aussi, toutes les anecdotes les réactions du public qui parfois sont parfois cruelles aussi avec les castrats, parce que même si on les idolâtrait à l'époque, sur scène, je pense que dans la vie courante, il en était tout autrement. C'est-à-dire que c'était des héros peut-être un peu éphémères. Et donc, ils souffraient beaucoup de notamment de ne pas pouvoir se marier. Et ils avaient une vie finalement un peu marginale en dehors de la scène. Donc, c'était peut-être des dieux sur scène, mais je pense que dans la vie courante, c'était pas évident pour eux d'avoir une place sociale normale, entre guillemets. Bon. C'est vrai qu'à chaque début de concert, même si les gens sont préparés, il y a toujours une toute petite réaction dans les premières notes, parce qu'effectivement il y aura toujours un décalage entre le physique et la voix qui sort, et puis ma voix parlée tout simplement. Cette voix qui rapproche les gens de l'enfance, je pense, fait effectivement beaucoup rêver et a quelque chose de pur et effectivement d'extra musical. Il y a quelque chose de très extra musical à tout ça. C'est assez philosophique. C'est pour ça qu'on dit souvent les voix des anges, les voix du paradis. On élève cette voix au-dessus de la terre. Oh,
Il canto a cordino.